Coucou les filles, alors je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera un tuto maquillage, c'est celui que je porte maintenant. C'est vraiment un maquillage d'été, je précise que je ne porterai pas ça en hiver. Ce sont donc des couleurs vraiment flashy dans les bleus, dans les turquoises, dans les corails et voilà le résultat. Donc je vous laisse avec le tuto et je vous dis à tout de suite. Pour commencer, donc j'applique ma base habituelle de chez Too Faced sur toute ma paupière mobile. J'applique ensuite mon crayon Jumbo Blanc de chez NYX pour faire ressortir plus les couleurs que je vais appliquer. Au coin interne de l'œil, je vais venir appliquer ce fard qui est le Flouf de chez MAC, il est juste magnifique. Sur le reste de ma paupière mobile, je viens appliquer un fard turquoise, celui-ci c'est le Aquadisiaque de chez MAC. J'estompe ensuite les bords avec un pinceau propre. Je prends ensuite un autre fard dans les mêmes tons, celui-ci c'est le Steamy, toujours de chez MAC. Et je vais venir donc l'appliquer plutôt en coin externe en le ramenant en dessus du creux de la paupière. J'estompe ensuite les bords avec un pinceau. Celui-ci, comme d'habitude, celle de 117 de chez MAC. Avec ce même pinceau, je viens prendre le fard Orbe qui est un fard couleur chair. Et je vais venir donc estomper encore plus les bords afin que le dégradé soit joli. Je prends ensuite un fard bleu un peu plus foncé et je vais l'appliquer donc juste au coin externe de l'œil. J'estompe ensuite le tout. J'ai choisi ensuite pour le ras de cils inférieur un fard de couleur plutôt coral. Celui-ci, je l'ai trouvé dans ma palette de Coastal Sense. Ne pas oublier aussi d'estomper les bords. Je viens ensuite faire un trait de liner avec mon Aqualiner de Make Up For Ever. Je prends ensuite le fard Coquette de chez MAC et je viens redessiner légèrement mes sourcils. Je reprends ensuite le fard Flouf de chez MAC et je vais l'appliquer en dessous du sourcil. J'applique ensuite ma base de chez Chanel pour les cils. Je
mettre du crayon kohl à l'intérieur de ma muqueuse, supérieure et inférieure. Celui-ci, c'est le Feline de chez MAC, toujours le même. Et je mets ensuite une touche de mon mascara préféré. Comme d'habitude, pour le teint, j'utilise donc toujours celui de chez Yves Saint Laurent, le teint Touche Éclat. J'applique ensuite mon anti-cerne habituel, celui de chez MAC, le Pro Longwear, qui tient vraiment super bien. Afin de donner un peu de relief à mon visage et de donner un peu de chaleur, j'utilise un bronzer, toujours de chez MAC. Celui-ci, c'est une édition limitée, je suis désolée. Mais prenez le bronzer que vous avez, ça ira très bien. Et ensuite, je vais mettre donc une couche de blush. Et celui-ci, c'est un de chez NARS, c'est le Super Orgasme. Il est magnifique, il est pailleté, il est lumineux, il est vraiment juste sublimissime. Et bien sûr, qui dit maquillage estival dit enlumineur. Et c'est toujours le même, c'est celui de chez MAC, le Soft and Gentle. Je ne le changerai pour rien au monde pour l'instant, c'est vraiment mon coup de cœur comme un lighter. Et pour finir mon teint, donc toujours la même poudre libre universelle de chez Chanel. Et je vais l'appliquer donc toujours avec un gros pinceau afin de fixer mon teint. Et en touche finale, bien sûr, la touche de rouge à lèvres. Celui-là, c'est le Costachic. C'est un Frost toujours de chez MAC. Et oui, ce sont toujours mes préférés. Il est juste sublime. C'est un corail pêche. Et je l'adore. Donc voilà les filles, le look est terminé. Ça donne ça. Donc pour les boucles, alors si ça vous intéresse, dites-le moi. Parce que j'ai un appareil super pratique pour ça. Si vous voulez une revue dessus, il n'y a pas de souci, je vous la fais. Donc ça donne ça. C'est un look vraiment... J'ai pas mis 2 tonnes de fond de teint, j'ai vraiment fait fond de teint, une pompe, léger, avec surtout un peu de bronzer et un peu d'highlighter, vraiment pour que ce soit très lumineux. Donc ça donne ça, je vais vous montrer d'un peu plus près. Donc voilà. C'est vraiment quelque chose d'estival, hein. Moi j'aime beaucoup. Je trouve ça original et franchement pas trop non plus choquant. Le rouge à lèvres, c'est un de mes nouveaux rouges à lèvres et j'en suis complètement dingue. Donc voilà, ça donne ça. Je trouve ça sympa. Les boucles, j'adore, je devrais en faire plus souvent je pense. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous fais plein de gros bisous les filles et à tout bientôt. Bye bye.